Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle. Par l'habitude, nous pouvons commencer avec un grand titre. Délégation la Banque Badia qui s'essaye pour notre troisième meeting board directeur salonnais. Il fait visite courtoisie que le président Weevil Romkalawan State House bon matin. Sa meeting 3 jours puis fait contre l'hôtel Savoy depuis hier. Un membre Ziri une sortie de Kamètre contre Carlos Catherine après qu'il présente papier médical. Bonne organisation non gouvernementale dans une rencontre consultative avec la commission électorale y exprime satisfaction qui certaines recommandations qu'ils ont faites dans réforme la loi élection une gagne considérée. Bientôt, ça habite à Cascade pour gagner un nouveau bureau de l'administration district et centre communautaire. Nous passons au bon détail. La Banque arabe pour le développement économique l'Afrique, Badia, il dit qu'il y a un secteur priorité qui est pour continuer à investir là-dedans, c'est celle et l'énergie renouvelable et le tourisme. C'est chairman board directeur Badia, Dr. Fahad Al-Dusari, qui dit ça bon matin après que certains représentants et délégations sont du côté Badia, qui c'est celle pour faire autres rencontres board directeur et profiter pour rendre une visite courtoisie président Weevil Romkalawan State House. The purpose of the meeting the president today to build on the historical partnership between Badia and also Seychelles. We started in 1980, was our first project here in Seychelles. We funded 25 projects. Today we heard from His Excellency Mr. President the priorities that he sees that we should focus on. We should also work together with Seychelles government in funding a number of projects and also supporting the socio-economic activities that happen in Seychelles. So what are the priorities you talked about? So we talked about renewable energy, energy sector in general. We talked about also investing more in tourism sector, such as the airport, in addition to important infrastructure. Historically, Badia, we worked with the Seychelles government in infrastructure, and we funded many projects in infrastructure. So one of the priorities was health sector here in Seychelles and also housing sector. And with Badia experience in Africa, we will definitely support these initiatives as well. We actually supported most recently a number of projects that related to finance ministry and also a number of activities in developing some sectors such as the airport itself, which was one of the main infrastructure projects. Also electricity sector that was one of the projects that we supported recently in improving the access to electricity here in the country. Board directeur la Banque Badia, il a choisi Seychelles pour faire son troisième meeting pour Salonais. Sa meeting peut faire que l'hôtel Savoy-Beauvallon depuis hier et pour terminer demain. L'ouverture officielle est faite bon matin dans présence ministre pour Finances, Planification nationale et Commerce, Nadia Hassan, et les autres officiers de son ministère et ministre pour la Tech, la case Billy Rangasamy. Salonais, à la Banque, peut commémorer 50e anniversaire qui est en avril. La Banque arabe pour le développement économique, l'Afrique, Badia, est l'institution financière internationale indépendante qui s'est établie en 1974 pour encourager la coopération économique, financière et technique entre les pays africains et les pays arabes. Son partenariat avec Seychelles a commencé en 1980, 44 ans passés, et depuis ça, il finance plus que 25 projets ici Seychelles. 50e anniversaire à la banque, c'est 3 mois passés, et ils ont célébré l'Iriyad, l'Arabie Saoudite. Il y a aussi la première fois qu'il va gouverner Badia, il fait un meeting, c'est celle-là. Badia, with the support from our shareholders, has been more active in the recent years to be more impactful, more relevant to African countries. In 2022, we received an increase in our authorized capital from 4.2 billion to 20 billion US dollars, and this shows the support from the our colleagues in the board and also from our shareholders of Badia. We have been also rated
most recently in the past couple of years from a number of rating agencies, which shows the quality of work that we've been doing, and also to help us improve our activities and also increase the number of activities in Africa. One of the milestones that we proudly achieved early this year was issuing debt for the first time in euro. We issued 500 million euros, and the subscription within the first few hours reached 1.5 billion euro. And this shows the trust from investment community and also from everyone dealing and also working with Badia. We're very proud over the period, over the 50 years, we funded 13 billion US dollars in projects across African continent. Dr. Aldo Sari nous dit que les autres financements qui Badia permet à disposition des pays africains, inclus pour les autres secteurs privés. During the Arab Africa Summit last year in Riyadh, the Arab Coordination Group committed to 50 billion US dollars for development in Africa, and we're very proud that Badia is leading this initiative with our colleagues from different Arab funds to support that initiative as well. In addition to funding a lot of infrastructure projects, we actually started working more with private sector funding, finance, credit finance, and also small and medium enterprises. We're very open to be innovative in our operations as well, to be impactful to the African continent. Over the years, Badia's investment in key sectors such as infrastructure, education, and energy has significantly propelled our development agenda. These projects have not only improved the quality of life for our citizens, but have also strengthened our economy and enhanced our capacity for sustainable growth. For this, we remain immensely grateful. We are eager to explore new avenues where Badia's support can help us address emerging challenges and harness new opportunities for progress and prosperity. The bank brings not just capital, but also expertise, confidence, and a steadfast commitment to sustainable development. Aujourd'hui, ce meeting est entré dans son deuxième jour et médias partenaires doivent assister sur bonne session. Today is the session, closed session for the board of directors. They will be discussing all their agenda, new project to be financed in Africa, new technical assistance in Africa. Vous êtes finance, la construction of infrastructure, laws, il perseverance, c'est-à-dire semer des lots de NAS pour il perseverance. Et nous avons aussi construit des trois écoles ici pour l'école maritime, l'école tourisme, SIT. Et nous avons aussi aidé dans la rénovation airport Cécile. Président de la banque, Dr. Sidi Old Ta, il aussi forme partie de sa délégation au directeur Badia. Sa meeting pour terminer demain. Kamet contre Carlos Caffrine ne continue aujourd'hui. Deuxième témoin poursuivition, il finit présente son évidence, mais il peut retourner en cours demain pour la défense questionnée. Et Saka, il y a présent dans 10-8 membres Ziri, après qu'il s'évise la Cour suprême, Ronnie Govinden, inaccepté qui en y sorti le temps qu'il présente papier médical. Saka Met contre Carlos Caffrine, il continue écouter aujourd'hui après-midi. Et pour à présent, on en dit ce 8 membres Ziri qui peut écouter Saka. Après qu'il y ait un membre, il a besoin de sortir, le temps qu'il présente la cour avec certains papiers médicaux. Et là, quand il commence, il y a même témoin qui peut donner l'évidence hier. Ça est ses officiers de la police, attaché avec la section de l'enquête scientifique de la police, qui n'amasse plusieurs les échantillons de Saka. Saka concerne la mort d'un petit fille de 3 ans qui est arrivé en mai l'année passée, que le docteur a certifié la mort de la clinique Rivière Anglaise. Et la police t'y gagne à l'été, comme quoi il paraît en bonne si la bille au son déco. Aujourd'hui, sa témoin, il donne détail au bon l'essentillon, bon organe défait de sa cas,
tels qui ont yon éliquer, les sentillons qui ne prend dans la bouche maman défait de Saka, et aussi dans la bouche grand-maman sa akize Carlos Kafrin. Sa témoin pour ces questions, il finit présent sur bonne évidence. Mais c'est demain qui la défense pour gagner sens questionné. Dans son session hier, l'Assemblée nationale t'y approuve l'amendement dans la loi Curatel. Ça, la loi t'y vient en force pour première fois en 2021. Mais vice-président Medafi dit qu'il y en a nécessité pour continuer à améliorer le cadre légal quand il concerne bonne succession, surtout de bonne cas quand tu n'as pas un exécuteur qui t'y gagne appointé avant que ça la loi t'y vient en force en 2021. Premièrement, il introduit une provision qui donne curateur discrétion pour y appointer un exécuteur dans bonnes circonstances pour n'a pas exécuteur qui n'a appointé auparavant. Ça est une amélioration importante qui peut assurer qu'il bonne bien en succession, gagne administré d'une façon vite et efficace, pour ça y a réduit retard et l'incertitude pour bonne bénéficiaire. Deuxième amendement qui nous peut proposer en bas section 41, il prescrit qu'un dimoun qui a l'intérêt légitime et légal d'une succession pour gagner 12 mois pour faire l'application pour lui gagner appointé comme exécuteur. Ça 12 mois pour commencement assez les poser de loi qui commencer. Finalement, monsieur speaker, pour assurer qu'il y a une consistance à travers nos cadres légaux, nous pouvons aussi proposer certains amendements mineurs, mais essentiels, dans le Civil Code of Seychelles Act 2020. C'est bon l'amendement pour assurer que le rôle et responsabilité curateur est clairement défini et aligné avec sa posée de loi. Nécessité, c'est bon l'amendement, il vient à cause d'un défi pratique qui est observé depuis l'implémentation du Curatel Act 2021. C'est un registre général qui peut décider de responsabilité en ce qui concerne l'Office of the Curator pour administrer bon bout de la terre, côté la cour indéterminée, comme quoi vous êtes absent, ou soit de bonne instance, côté vous êtes mort et n'a pas aucun héritier. Là, il y a la terre qui est vacante, c'est là que la loi fait provision pour un exécuteur qui est appointé, c'est là que le curator, essentiellement, peut prendre rôle la cour. À cause avant, c'est la cour qui appointe exécuteur et là, tout quelque chose qui concerne succession doit avoir une propriété abandonnée, doit avoir une propriété qui n'est pas dans ses cils ou soit qui n'est pas capable de faire d'autres propriétés. En d'autres mots, de bonne propriété, qui n'a pas aucun héritier. Alors, avant, ça tient à curator vacant estate, là, tout bon amendement qui nous tient passé à travers un acte en 2021 plutôt. Il est fait que toute bonne transaction qui est reliée avec succession, il tombe dans cette entité et ça, il pourra faire à travers curator qui non seulement pour performer la tâche l'appointement exécuteur, il peut aussi administrer et aussi superviser sa bonne l'appointement. On a nous sa bonne la terre héritier qui est là depuis 1950-1960. On a nous la terre héritier avec bandes héritiers qui à l'étranger, il y en a membres famille ici, je veux pas ni connaître si vivant si mort, et nous avons tous ça bande situation devant nous. Et là présent, un bande morceau qui gagne adressé par sa morceau législation devant nous, c'est on a où ça bande la terre qui pense jamais qu'elle fait provision pour autres et n'a pas exécuté qui nous a mis en place depuis son 1950, son 1960 ou whatever. Now, quand il vient difficile, c'est qui wanan sa ban morceau la terre qui wanan héritier presté là, wanan famille, wanan autres enfants, wanan ban héritier en héritier. Pareil nous content dit ici même c'est celle. Et wanan ou un problème l'héritage qui peut grossir, mon capable dit, plus les temps y aller. So, est-ce que la loi qui est devant nous, pour nos bouts, successfully adresse sa situation? Now,
si la loi pour capable adresser sa situation, on est quantité à bon canon ici, Cécile. Mais, mon quoi qui nous besoin faire la fanfare, beaucoup, battre la générale, l'eau la loi, et emmène sa connaissance à la portée ben du monde qui besoin qu'on ait, qui il y en a ça la loi là, il y en a ça outil, il y en a ben amendement qui gagne faire qui cap pas mes autres incertain secours. Moi pas connait comment il pour gagne faire, moi c'est pour servir média, moi t'en peux nom website, c'est pas que si ça moi c'est du monde qui bien ça. Il y en a website mais seulement nous pour besoin figure out comment y est connaissance y arrive à la portée du monde qui besoin provision légale qui dans la loi. Bon, l'organisation non gouvernementale, ils disent satisfaits que la commission électorale ne considère proposition qu'ils ont fait dans réforme électorale et aussi dans autres rapports observateurs élections. Ils ont fait ça commenter après qu'ils ont suivi une session consultation que la commission électorale peut faire avec certains bons partenaires clés. Leur proposition pour amener cet amendement de la loi élection. Après une partie politique et médias, c'était tout dans l'organisation non gouvernementale qui la commission électorale enjoint pour discuter 25 amendements qui peut proposer dans la loi élection. La commission électorale dit considère NGO comme un partenaire clé à cause du rôle important qu'ils ont joué pour promouvoir la démocratie et le développement de la société. Parmi les organisations qui ont assisté à sa rencontre, c'est l'Association pour les droits, l'information et la démocratie, ARIDE, Citizens Democracy Watch, Seychelles, CDWS, l'organisation qui regroupe les différentes religions, CIFCO, et aussi CEPS. Parmi certains points de discussion, c'est le document Identification pour Registration Voter, Processus Registration, une station voter spéciale pour faciliter le vote parmi les autres. Il y en a du monde, il peut still servir ça, comment elle esquise, il peut venir avec un ID ou son téléphone. So, il faut de nous mettre beaucoup l'emphase sur sa physical ID, N ou passeport. Nous préciser que nous ne pouvons pas servir digital ID, à cause, simplement à cause qu'il vient le téléphone. Et le téléphone, l'Electoral Commission ne pas permet d'abonner les Electoral Stations. À cause, il y a une autre chose qui est arrivée, une fois qu'on permet le téléphone. À cause, il y a une caméra, tout téléphone, je crois, nowadays, il y a une caméra. Nous n'avons pas envie que le public vienne, petit porteur, d'abord dans les call stations, ou soit pour un call, les voter puis arriver, un call puis entrer, il y a quelque chose avec son camarade, c'est pas lequel, il pas un bon aménagement. Chairman Citizens Democracy Watch Seychelles, Eileen Moses, dit qu'ils sont contents que la commission électorale considère une proposition qu'ils ont fait dans la réforme électorale en 2013 et aussi dans un rapport observateur élection. Un parmi c'est pour faire ces petits bonnes qui gagnent 18 ans pendant sa période de temps qui date élection est annoncée avec l'élection pour gagner faire qu'ils ont gagné sens pour être capable enregistrer et voter avant ça ils ont pas été capable à cause once la élection ils gagnent prononcer registre voter fermé et ils sont pas capable enregistrer sur ça nous vraiment apprécier à cause un jour pour ils ont aussi qu'à gagner une prudence et partir de process. Après une autre recommandation qui nous vraiment satisfait c'est la commission élection peut en même bonne provision pour capable move un peu digital. Par exemple, online inspection, online registration, à quoi nous sentir. Il y a beaucoup de monde vraiment où ils ont pas été capables d'aller physiquement pour aller vérifier si on enregistre, pour se faire sa procédure d'enregistrement. Mais ils ont pas faire le online portal et pour once again dans autre plus ça sens pour être capable de partir de sa exercice de l'article 24 pour partir de gouvernance pays. CDWS aussi dit qu'il bien supporte les bons efforts que la commission électorale permet certaines innovations dans le processus de voter. Une autre recommandation qui nous supporte, c'est que la commission élection peut venir avec innovation pour un show pour les gens qui ont un problème pour se voir. Ils sont capables aussi d'amener un braille ballot papers pour faire face à être capable de voter. So, ça y est en gros ND, mais c'est comment l'organisation nous pour go back là avec nos bonnes committee members
nous pour réviser un peu plus et nous pour faire un final submission avec la commission élection in writing, nous avons quelque chose qui nous position officielle. De son côté, la commission électorale dit qu'il a bien apprécié la session inhalée avec une organisation non gouvernementale. Nous comptons ça, l'interaction que nous avons avec les autres. Nous avons affirmé sur l'école pour dire que nous sommes committed pour travailler avec la commission élection, pour aider, pour sensibiliser les membres publics, etc. Et ce que nous comptons, c'est que nous avons une personne pour dire que ce meeting-là est un moment clé. Comme si c'est un moment qui nous prépare, il est important. Et alors, nous pouvons nous forward pour nous continuer à travailler avec les autres. Ça, c'est que la consultation peut continuer. La commission électorale a pu rencontrer les bons officiers électoraux samedi et aussi mon public de Manzo qui peut venir. Commencement lundi, nous pouvons commencer avec un meeting de consultation qui pourrait faire beau valon. Nous pouvons aller dans toute région. Et après, nous pouvons aussi prendre avec la DIG et moi, prendre l'opportunité encore pour inviter le public pour participer. Allons nos websites, nous allons avoir sa bonne recommandation qui nous peut proposer. Nous finissons mettre nos websites, nous pouvons mettre nos bonnes social media platforms. Si sont capables de familiariser les quoi avec comme ça pour faciliter sa procédure de participation. Comment pour plus bien reconnaître l'habit et harcèlement sexuel de la loi travail, il y a un point qui est discuté dans un forum. C'est ministère de la jeunesse, sport et la famille ensemble avec les autres partenaires qui discutent sans cesser avec les officiers ressources humaines et les autres représentants de la loi travail. Of one person towards another person. Ce forum fait partie du programme prévention et l'intervention que le département de la famille peut faire le différencier. Ce programme est aussi pour donner connaissance à plusieurs groupes de monde qui sont capables de détecter bonne forme d'habit et harcèlement sexuel, ça c'est tout dans le droit de travail. C'est un groupe d'officiers ressources humaines qui a un sens sur sa session et des misounes. À cause nous connaît pour dire qu'il découle de la famille, after all, tout bon calabi. Et aussi, nous avons envie un show qui nous peut éduquer dans l'endroit, en bonne procédure complète, quand on peut aller, qui a quelque chose qui est en place. Deuxièmement aussi, qui m'a aidé pour deal avec sa bonne chose. Et après, un petit peu en lien avec la loi. Justement, pendant sa série causerie par différents représentants, le temps y arrive que la loi, avocat Gül Medles, il fait clair que la loi essaye le sabon calabi et harcèlement sexuel. Par exemple, l'habit sexuel, s'il arrive, il vient comme un criminel. Et ça dit monde qui peut expérience l'habit sexuel dans son lieu de travail, il pas juste quelque chose qui supposé peut arrêter le niveau sa HR, mais aussi quelque chose qui supposé peut rapporter avec la police à cause que c'est un criminel. Alors once ha il a rapporté avec la police, il venait qu'est-ce qui gagne envoyer code bureau attorney général et nous comment bureau attorney général nous procède qu'est-ce criminel contre sa employeur. So il gagne prend vraiment sérieux. Ou ka gay emprisonné pour up to dépend de la gravité ça la bisexuel ou ka gay emprisonné pour up to 14 ans en 20 ans aussi bonne partenaire une cause de la bi et harcèlement sexuel dans tout son forme travailler en travailler employer et employé et ça une vienne de forme toussée la façon causée et avec acte sexuel parmi les autres. Les officiers seniors du département de l'emploi, Ronnie Baker, il dit qu'ils ont gagné quantité complète. Mais qui la loi de l'emploi dit Lola? Section 46 dit que l'employé, l'employeur, il n'est pas supposé faire aucune action, commettre aucune action harassment envers aucun travailleur. Par contre, nous recevons pas mal de complaintes. Le côté, à part de harassment, nous aussi recevons le côté sexual harassment. So l'état nous gagne bonne complainte, voilà qui nous fait procéder pour nous investiguer. Ça veut dire il y en a dans l'état qui victime aussi parlé, nous mentionne non. Et l'état victime parlé, nous mentionne non. Là nous besoin voir les autres mécanismes en place qui nous besoin interview tous les autres travailleurs dans le travail. Il est vraiment rare qui nous gagne un travailleur, un victime qui pour dire bloqué mentionne mon nom.
Nous, la loi à l'emploi aussi, il fait provision qui est l'offense, il y a un pénalty, 20 000 roupies, qui ça harasse pour besoin faire face avec en cours. Ça, son pénalty, par exemple, mon petit. Le temps qu'il travaille, il passe dans tout sa bon scénario là-bas, il y a aussi un aspect psychologique. Il a sa victime, il voit les gens qui laissent derrière dans le travail, son performance et productivité, il descend. Steve Pointe, qui est un consultant privé, il fait ressortir ça de son présentation. Il est important qu'il ne pas se rester avec sa situation et quoi aboutir pour passer. Si nous pas gagner l'aide, si bon du monde, bon victime pas gagner l'aide, il peut détériorer. So, les vins contre nous avons besoin présent à l'improcédure pour donner ça du monde. C'est un lead psychologique, c'est un lead émotionnel. Et fait ici qui est capable d'overcome sa trauma. Parmi sa plusieurs interventions, tu es aussi un secrétaire général de la Fédération Union Travailleuse Sicile, Antoine Robinson. Il met beaucoup l'emphase sur la convention ILO et en même temps dit qu'il s'assise qui en question IN qui n'existait pour beaucoup d'années. Et il plus grand qui nous pas quoi. Mais seulement par nous connaît mécanismes qui en place, il pacifie pour nous nous dire que ça va nous faire sérieusement. Et il y en a tout un processus en confidentialité, il y en a un processus rapport que nous apporté et qui protection sa bande travailleur qui vient victime, d'autres passent à travers, il y en a intimidation, il y en a harassment et tout ça là il fait des plus difficiles pour dire que ça bande camagnier il se veut gagner avec approprié ça forum des misounes c'était pour faire bons officiers ressources humaines vinn pli à jour et pli au courant l'olabi et harcèlement sexuel dans l'endroit de travail. Premier pierre pour construction nouveau l'administration district et centre communautaire Cascade, il mettait aujourd'hui satisfait pendant une cérémonie côté sa ancien centre communautaire qui était auparavant. Ministre pour le gouvernement local et les affaires communautaires, Rosemarie Roiro, et membre de l'Assemblée nationale pour le district Cascade, Philippe Monti, il dépose premier pierre construction, nouveau l'administration district et centre communautaire Cascade. L'administration district Cascade s'est construit en 1989, mais en décembre 2014, le centre communautaire s'est brûlé. Il n'a pas été reconstruit jusqu'à présent. Et ça s'est affecté services et activités que l'administration district qui offert. Et il fait qu'il y a un manquement community based program qui nous fait à cause de n'a pas un venue vraiment. Et la loi est vieille, la loi que nous servions pour faire service petit, pas vraiment acceptable. Et là, l'initiative pour créer une nouvelle administration district, c'est pour faire les villes plus modernes, pour capable de servir plus beaux services avec bons habitants Cascade. Construction, c'est un nouveau bâtiment pour coûter environ 12 millions de roupies. C'est le gouvernement qui peut financer le projet et la compagnie Reliance Engineering y contacté. Ministère gouvernement local et affaires communautaires. Ensemble avec l'agence de l'infrastructure et l'autorité plan, ils travaillent ensemble sur le projet. Pendant la cérémonie bon matin, Reliance Engineering a signé un contrat avec le gouvernement Sicile. Sa nouvelle office d'administration moderne pour faciliter l'accès avec service gouvernement et donne un meilleur espace de travail pour bonnes travailleurs qui desservent le district. En plus, sa centre communautaire pour venir à l'endroit que nous bonnes zen, nous bonnes adultes, nous bonnes troisième âge, à capable de joindre ensemble pour bonnes activités culturelles, sociales et sportives. Il peut aussi encourager la participation dans la vie communautaire. Nous faisons ici qu'il y en a un REMP pour faciliter l'accès avec l'office lié, ainsi bien qu'avec le centre communautaire, pour assurer que personne n'a pas quitté derrière. Ce nouveau bâtiment pour inclure l'office pour membres de l'Assemblée nationale et l'administrateur district, l'office pour faire service social et service pour la case. Aussi, on a un service additionnel pour n'importe quelle autorité gouvernement qui a envie de servir sa facilité district. Papa, l'administration district qui ferme, la cause peut craser, peut faire l'autre, nous peut gagner un nouveau. Nous, ça papier manque, il y a écrit, dit, oui, ferme, vous êtes l'autre là-dedans. Démolition restant sa bâtiment et construction sa un nouveau, il est expecté commencer en août.
Il peut prendre à peu près 12 mois, un an, ça veut dire, pour construire sa nouvelle administration district et centre communautaire. Bien, service à Saint-Léon, nous avons besoin de relocate, nous pouvons faire bonne discussion avec les habitants, Cascade, avec les autres partenaires, côté de la communauté autour, que nous sommes capables de booster ce service de sa période de temps. Et ça, bien sûr, quand nous finalisons, nous sommes capables de passer un message avec le même public, que nous sommes capables de relocate. Les habitants du district Cascade, il y a alors un nouveau endroit que tout le monde est capable de joindre et interacter dans l'environnement convenable, Paris les cas dans la majorité distante. Desaine Belazar, Jean-Marc Waro et Dominique Lauti, une joine ministre Sylvestre Radugan, nous ont dit pour raconter l'incident que d'autres qui sauvent des touristes qui tient en danger dans la mer en Sgoulette. Il n'est pas fait la première fois que sa dégâtion met la frayère des côtés et saute dans la mer pour sauver des monde qui en danger. Samedi passé, pendant qu'il y a une célébration de la fête nationale qui peut dérouler en ville de Sid Maïr, plus précisément en Sgoulette, Belazar, des touristes de détresse dans la mer. Et c'était grâce à deux héros, Jean-Marc Waro, les habitants Belazar, et Dominique Lauti, les habitants en Sopet, qui présent pour aider sur sa des du monde assez vite. De son rencontre avec sa des garçons aujourd'hui, ministre Sylvestre Radegon tient forme d'autres qui y apprécient ce qu'ils ont fait et de bonne volonté. Sa des garçons, une grande sens expliquer qui t'y arrivé et autres sentiments. Jean-Marc Waro indique qu'il t'y peut sanser pour lui descendre pour aller regarder parade nationale quand il t'y gagne alerté le sale incident. Moi, tu peux aller parade, moi, tu me finis sanser. Juste moi, tu vois. Et un garçon, un moral, il vient crier moi. Et il te dit, moi, pour dire qu'il y en a un du monde qui nous est. Et mon pantalon, mon pomme, mon équipement, mon allée. Et après, quand on arrive pour la mer, mon débouté pour mon guetté pour la mer, on dit, on finit de manger. Mais tu es mauvais là où tu es gros, et tu en as beaucoup courant. On m'a dit, ok, il n'y a pas personne. Mon allé, mon saut de l'île, mon allé pour lui, mon retapli. Mais après, l'aimé, Dominique, il vient donner l'assistance aussi. Il vient, nous venons ensemble, nous donnons un même chambre, nous donnons un client, escaloulos. Dominique Lauti, qui lit pas première fois qui sauve la vie et du monde, qui type noyé, il explique son expérience et conseille pour ben du monde qui a le nasé. Moi, monsieur. Si l'Afrique est son madame, mon nom est Mazo, tout accent. Le bac dit moi, someone is drowning, we need help. So, pas de matin de commencer, c'est mon redien board. Présentement, mon saut de rompique avec lui, moi je suis pas un peu mouillé. Mon arde hier, ça me suis drive vite, et entre le salon, comme si moi je suis la goulette restaurant, et fait 5 minutes from salon, c'est pas un schooling. There again, moi. Puis mon dégâts, j'ai ouvert la porte, parce que mon équipe a dit mon saut dans la main. À ce moment, mon panting toi, son panting matinée, pour dire que myself in the danger. Puis son mari, mon père a sauvé la vie, I'm just go for it. No matter what, qui danger ou là dans la main, ou besoin calme. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de matinée pour dire que mon père a perdu mon vie là. Il faut dire que mon pour survive, la main pour te cave. Il n'y a pas de débattre, ou peut-être que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas capable, vous ne voulez pas. C'est que ce que vous savez, c'est que vous êtes sec. Vous êtes sec, vous n'êtes pas capable de dormir. Vous êtes relax. The more you fight, the more you're going to drain yourself out. Et là, qui va venir pour venir. En termes de la mer, les gens qui sont touristes, c'est un peu comme ça. C'est ça qui nous a offert, c'est nous là, c'est nous la mer. Nous n'avons pas besoin de faire du monde peur, et de dire du monde bien, c'est touriste. À cause de moi, c'est un main. Reason why to receive in Cecilia, c'est donc nous la mec, nous on l'ilance. À travers sa l'expérience qui sa DMC, il passe là-dedans, ministre Radegon, une cause ou bon l'assistement qui besoin de faire ou bon l'incident comme ça, pas de répéter. Moi, si vous voulez, au nom du ministère de tourisme, disons merci. Disons comment ils ont apprécié ça qu'ils ont fait. Et, mais ça y est aussi, il y avait cette chose qui nous besoin de regarder. On est qui en a un endroit pour visiter qu'on est. Risque de pas devoir prendre si tous les noms est mauvais. Si nous mettons deux bords, trois bords, quatre bords, nous on regarde quoi qu'on devrait faire. Quoi qu'on devrait, on a suffisamment warning si tous les endroits
Il y a quelques autres là. Mais un endroit qui va nous lancer. Pas pégant ici, veillez, n'a pas la garde, ou la balance. So we need to do it. Mais vraiment, moi, je dis merci. Il y a des zènes qui sont présentés avec un petit token d'appréciation qui sortit du ministère du Tourisme. Merci pour suivre.